il y a un grand écart. Pasteur, comment on l'appelle, pasteur et mission qui est Koumissak à tout moment. Pasteur Ndoundou, voilà. On a un téléphone, on a un ordinateur. Mais à l'époque, un ordinateur Vandavi. Ça veut dire qu'il y a une foi qui est vide. Tous ces prophètes du passé là sont partis avec un grand vide. Mais dans leur époque, ils se croyaient être au-dessus de tout. Et c'est tout à fait normal. Par rapport à l'évolution de l'humanité, Momama Kouizaba Bavana au-dessus. C'est normal. Mais avec le temps, la roue de l'évolution est en train de tourner. Les choses sont en train d'évoluer. Internet, nous avons besoin des hommes de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui des nouveaux prophètes. Nous avons besoin aujourd'hui des nouveaux maîtres. Par rapport à mon moyen avec mes couilles, on a besoin de ça. Et vous devez comprendre ça. Vous avez intérêt à comprendre ces choses. L'église du Seigneur a intérêt à comprendre ces choses-là. Je prends toujours des exemples parce que je sais aussi que ça ne sera pas aussi facile que les gens comprennent ça. Que les fils de Dieu comprennent ça parce qu'ils sont endoctrinés, ils sont emprisonnés. Parce qu'il y a un cas de prison. Donc, ce n'est pas facile à vous comprendre. Imaginez à l'époque, on était encore un peu des enfants. Pas même seulement même des enfants. Quand tu quittes Mpaka, tu vas aller voir quelqu'un qui vit à Siafoumou. Tu vas quitter Mpaka. Il y a quatre Mpaka. Porte une zoké à Kokarab, oncle Basika. Tu es déçu. Tu es déçu et tu as perdu en énergie. Tu as perdu beaucoup d'énergie. Nako katuko foya patra, nako tel oncle qui est vandak na siafoumou. Et bon, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là, les parents de cette époque-là, parce que ils font partie du peuple primitif. Quelqu'un qui dit Ticha, il y a Saksaka, ou bien moi, du Kassa, il y a Mongye, pour montrer à la personne, au propriétaire de la maison, qu'il y a Vanda Koun, soit du Kassa, Mongye, il y a Kotis, la clé à porte. Pour que la Ranga Koukoum ou bien il y a Soissonik, il y a Toto. Que non, un tel Vanda Koum, pour ceux qui connaissaient écrit, passé l'époque aussi, là-bas, dans le truc Soissonik aussi. Donc, suffisant que ça tout quand même, moi, un morceau à Iti, la porte et la clé. Quand ça nous fout le porte, un tel Yazak Amout Vandawa. Et lui aussi commence à réfléchir, mais qui était la reine? Parce qu'il y a sa sonica que fait. Il commence à penser, Nan Vandaka, on a une puissance sosmi. Vous devez voir le retard. Il faut maintenant le retard côté avec mes Katuka. Pour que même comprendre que côté de vous, Kouenaka, Betke n'a pas évolué que maintenant. Alors, quand vous tout carré, quand tout bien, ça fout, quand vous tout n'en pas quand. Et parfois, il va dans la salle, il va dans la pour que tu entends ce que moi m'a dit. Tu vas repartir le ventre vide. Tu vois combien de fois tu vas perdre encore en énergie. Fallait que vous n'en pas quand. Parce que vous mettez tabou là, dans l'espoir, on nous a moins de m'a dit. Vous mettez un coup mout qu'il veut, vous tout dire que vous n'en pas quand. Moi, je vais vous dire ce que maintenant, regardez aujourd'hui avec l'évolution. Vous devez comprendre ça. Accrochez-vous. Depuis Nampaka, avant que vous ayez un siafoumou, vous avez un téléphone. Vous avez un bokil tonton. Est-ce que tonton est un inzo? Tonton est un inzo. Oui, il est un inzo. Alors, vous avez un inzo pour telle heure. Na telle heure, oui. Vous avez un inzo. Inzo. Donc, vous avez un inzo. Écoutez. Vous ne voyez pas que les choses ont évolué, non? Est-ce que ça, vous ne pouvez pas voir ça? Si tonton n'est pas là, il va te dire que vous qu'il vienne, il nous a basca déjà. Au lieu que vous tamoul, vous perdez l'énergie, vous avez une vous dire que vous avez un tel que tonton va en avoir pour nous. Mais tu vas économiser en énergie. Regardez combien de fois
L'évolution vous impose certaines choses. Vous devez accepter d'évoluer. Vous devez accepter. Je prends ces exemples-là pour vous faire comprendre que les pasteurs du passé, c'est bien, on les refuse pas. Mais nous avons besoin des pasteurs, des prophètes de l'heure. Ceux qui viennent avec les messages adaptés à notre époque. Ça, ce n'est pas l'époque de Moïse. L'époque dans laquelle nous sommes, nous, ce n'est pas l'époque de Moïse. Écoutez, ça ce n'est pas l'époque d'Abraham. Ça, ce n'est pas l'époque d'Élie. On ne peut plus prêcher les choses d'Élie aujourd'hui. Nous avons un autre peuple en face de l'Internet. Nous avons un peuple qui est en face de l'Internet et nous devons avoir des prophètes qui doivent nous venir nous enseigner par rapport à l'Internet. Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le net. Donc les prophètes d'aujourd'hui, les maîtres, doivent venir nous apprendre par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre. Vous allez voir dans toutes les églises, aucun pasteur ne prêche sur la crise. Mais le Congo est dans la crise. Aucun prophète ne se lève pour prêcher sur ça. C'est grave. Aucun envoyé de Dieu ne se lève pour prêcher sur la crise. Bien au contraire, on vient encore vider. Moi, ma foi, mes bikana beni, moi, ma miétina, ma kidana bezo abak beniaou. Pour que ma koudiaya. C'est pas normal. Mais ça, c'est anormal. Il doit venir nous expliquer pourquoi le peuple, pourquoi la Bukonda. Parce que le peuple traverse les vaches maigres. Peut-être qu'à l'époque, il y a vaches maigres dans le Congo. Mais l'envoyé de Dieu doit venir expliquer ça. Le maître doit venir nous situer dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi vous avez besoin des hommes de Dieu que Dieu a envoyés, qu'il a oint. Pour vous, pour vous parler, pour vous situer dans le temps et dans l'espace. Alors, pourquoi je parle que vous étiez dans les ténèbres? Parce que vous devez comprendre que vous avez intérêt de rentrer dans la nouvelle religion. On ne refuse pas la religion est à ma. Mais on les situe par rapport à leur époque. On les situe dans le temps. Et quand on va comprendre ça, on les situe dans le temps. À ce moment-là, on comprend que là, il faut un plus. Il faut maintenant qu'on évolue. On a besoin d'évoluer. On n'a plus besoin de la télévision en noir et blanc. Si vous avez une télévision noir et blanc, vous avez un magasin, vous avez un magasin, la télévision, vous avez un celui-là, il vient de très loin. Si vous avez une cassette, vous avez un magasin, vous avez un Sénégalais qui est un magasin, vous avez un antiquité, mais puis au moment où ça parle de clé USB, de carte de mémoire, de CD, de cassette. Écoutez, vous devez comprendre que vous avez intérêt d'évoluer. La religion doit changer, la religion doit évoluer. Alors, vous avez eu des prisons, beaucoup de prisons. Des prisons, il y a diable côté savène dans le sens que il y a beaucoup de gens qui sont partis trouver la guérison chez les féticheurs. Ma féticheur, ma pespène, ma guérison. Ma meloatissa, ma tchakar, ma câble, ma signe, ya rouge, la louquette. Sous prétexte qu'il y a que protection. Il y a que qu'on a protégé qui guérit. Mais ce sont des formes de prison. Si vous avez une prison, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la religion de lumière. Alors, parce qu'après,
n'a pour récupérer un mengue, parce que quand le diable donne avec la main droite, il récupère toujours avec la main gauche. Attention, c'est ce que vous ne savez pas. L'air n'a pas coupé ça, il a dit beaucoup à droite, il a récupéré tôt ou tard avec sa main gauche. Il va te récupérer. Alors, donc c'est pour vous dire que pour te prouver qu'il va te récupérer, il a dit que c'est là. J'avais commencé déjà à parler le dimanche passé sur ça. Qui n'y a pas de temps, il ne faut jamais que tu aies ici à foule. Il y a des temps ici à foule, il y a des soumouka. C'est à ce moment-là qu'il commence à réclamer ton âme. Qui n'y a pas de temps, il ne faut jamais ici à foule. Tu ne t'as jamais qui tu tournes la pipe. Si vous voulez que la noca, la tonnelle avec la zone azul, il faut jamais que Kim. Des interdictions compliquées. Est-ce que nous mettons là, nous, nous voulons. Dès que ça, jamais erreur, jour que vous voulez mettre une Kim. Je vous demande là. Est-ce que vous êtes sûr? Vous voyez combien de fois le diable a besoin de ton âme? Parce qu'un Zaké, tôt ou tard, il y a Kim. Je vous là. Mais quand même, il y a posé que si vous n'avez pas de cas, il ne faut jamais que Kim bat. Et dès que vous avez Kim, vous avez dit oui, effectivement, il y a un Kim, là je peux récupérer ton âme tranquillement. Voilà comment les gens, beaucoup de gens, sont dans les prisons du diable. Et le diable n'est qu'un gakba, jusqu'à ce qu'il y ait récupéré énergie vitale là-bas. Nous avons beaucoup de points que nous allons énumérer au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, Babat ming kona zenga ba. Ming. Bata ni kwa zenga ba bimi. Sans le savoir, que va créer que lien ya menga. Sacrifice ni sala que menga ngien ko bwa kinda. Le va ni zenga ge ba bimi. Menga ngien ni bikana kana di futi ze ke bokila kya ya ngam. Nge sala lien na ba démon. Parce que en signé que pacte. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens parfois ont des problèmes de démons dans leur vie. J'essaie de vous montrer pour que vous compreniez que parfois, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Mais, ma pacte avec le bétimos, ma tuna signé en diable. Et donc, l'herbe zenga kenge va n'engenge sa dikana ka place mazengenge, parce que chacun de vous me regarde avec maintenant des yeux ouverts, parce que vous se retrouvez déjà. Donc, côté la zenga qui n'est pas la main, il s'agit de la kounina. Il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de démon. Donc, si vous rêvez que le démon qui est là, toujours, attention, il n'y a pas de pacte, le diable. Et c'est ce pacte-là, côté nous, ce qui est le démon qui est là. Je vous montre ces choses pour vous amener dans la nouvelle religion, pour vous montrer quelle est la vraie religion, quelle est la bonne religion. Comment vous pouvez faire pour couper ces liens-là? Parce qu'il faut vous amener là-bas. Alors, donc, il faut savoir que y a un pacte qui est signé avec le diable. Il y a une scarification qui est salée. Il y a un. Et ce son-là, jusqu'à aujourd'hui, ça travaille dans le monde des ténèbres. Ton son, une partie de ton corps, était restée là-bas. Ton ADN, les sorciers utilisent ça. Alors, ça c'est pour vous amener dans la vraie religion. Parce qu'au début, la Bible dit c'était les ténèbres. Et après les ténèbres, ce n'est qu'après que nous avons besoin que la lumière vienne. Sinon, au début, c'était les ténèbres. Et donc, vous, vous avez vécu ces ténèbres-là. Et maintenant, là, Dieu est en train d'envoyer maintenant la lumière. C'est le temps maintenant d'envoyer la lumière aux humains. Les ténèbres doivent maintenant être dissipées. Alors, si donc Benken a un lien, il y a un tu sais que na biboulou, papa Tming Mazenga, papa biboulou, na Kachananzoutou. Ils sont nombreux. Baba Kaba biboulou, Bampousso biboulou, Bazenga na Kachananzoutou, Baba. Et donc, quand vous avez les molécules des animaux, na katcha banzucha ben benke la molécule ya bas humain, benke se la molécule aussi a biboulou. Vous avez besoin de la délivrance.